Je m'appelle Jean Hainaut, je suis responsable du pôle d'expertise technique de l'environnement de travail au ministère de la Transition écologique et solidaire. Et donc, je m'occupe du poste de travail dans le sens général. Et donc, je suis client WAPT depuis un bon moment. D'abord dans la version community et puis maintenant, le ministère a investi dans la version entreprise. Alors, j'ai connu WAPT par le web en recherchant un produit qui pouvait remplacer notre produit de télédistribution. Alors, aujourd'hui, on est à 18 000 postes d'installés. On a une prévision d'installation d'environ 30 000. Dans l'utilisation, on est, nous, au pôle d'expertise producteur pour l'ensemble des services. Et on a 60 services qui sont nos clients de l'utilisation, sachant qu'on utilise WAPT en mode centralisé. Et donc, notre tâche est de fournir à chaque instance, chaque service, une instance de WAPT disponible. Et eux n'ont aucun serveur installé, il n'y a aucun élément physique à installer sur place. Le besoin principal, c'est la mise à jour de nos postes pour respecter les questions de sécurité. Le deuxième point, c'est qu'on a mis en place un système de remontée d'informations qui nous permettent de connaître le parc informatique et donc les remontées WAPT, notamment avec la fonction reporting, la récupération d'un ensemble d'informations locales et la même chose au niveau national. Oui, un gain de temps sur les actions qui pouvaient être faites à la main, évidemment. Et puis un gain de temps sur la production des paquets et l'utilisation par nos services, dans le sens où on livre au niveau national des paquets tout faits et qui sont plus. Enfin, que pour les services locaux pourront utiliser en l'état, sans autres difficultés. L'installation des logiciels, évidemment. D'accord. Et puis, en deuxième partie, une des dernières options qui sont disponibles, c'est l'audit, qui nous intéresse au plus haut point, pour récupérer des informations sur le poste et faire soit un conseil, soit faire un état à la personne qui est en charge de la décision pour améliorer le parc. WAPT, c'est efficacité, sécurité. Donc ça a été un élément fondamental pour nous dans le choix. Donc la façon de diffuser les paquets et la protection de ces paquets. Et puis la modularité. Ce qui nous intéresserait, c'est d'améliorer la partie self-service. J'ai trouvé ça très sympathique. Et ça a permis de rencontrer d'autres personnes, qui ont d'autres fonctions et qui sont dans d'autres services ou entreprises. Et puis l'échange, c'est toujours positif.